Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. Vous apprendre à mettre le whip. Alors, j'ai déjà mis le double whip, ce que j'aurais pas dû faire, mais c'est pas grave. Pourquoi je mets pour que mettre un truc à mettre sur ma chaîne quand même. Donc là, je vais passer à la démonstration. Alors, pour faire ce tricks, il faut d'abord savoir le mettre en rampe. Et pour le mettre en rampe, c'est pas très compliqué. Il faut prendre beaucoup de vitesse, prendre beaucoup aussi de hauteur. Et comme ça, vous pouvez le lancer. Si vous êtes comme ça, vous le lancez comme ça. Si vous êtes comme ça, vous le lancez comme ça. Et il faut bien, par contre, vous aider de vos bras. Ce sera très utile. Parce que quand vous lancez, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est vous le lancez et vos bras, ils agissent. Alors, si vous voulez essayer en bordure, moi, ce que je faisais, c'est... mettez comme ça, je faisais ça en bordure. C'est utile, mais c'est mieux de s'entraîner à faire. Hop, et de ratterrir. Donc là, bah, je vais faire, je vais sauter ça, un whip pour vous montrer la hauteur qu'il faut prendre et la vitesse qu'on doit utiliser pour les bras et les jambes. Voilà, bah, je les ai sautés. Lui, j'ai un peu raté, mais c'est pas grave. Le premier était assez dur, vu qu'il est plus haut, il faut bien sauter. Mais par contre, surtout, en skatepark, il faut faire, pas faire comme ça. Parce que si vous lancez comme ça, vous allez faire ça. Vous allez rater faire comme ça, vous allez faire ça, boum. Vous allez partir en arrière. Et ça fait pas vraiment du bien. Ça fait quand même mal. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah...